Merci beaucoup. C'était une double délégation des anciens joueurs sportifs de l'espace du Grand Kassai, sous la conduite du doyen Kabalama Namboui et notre frère qui venait de faire une nouvelle discipline qui devait présenter au ministre des Sports. Et dans nos échanges, nous avons trouvé un homme déjà informé. Moi, je ne suis pas surpris pour avoir travaillé avec lui. Il était déjà informé de nos préoccupations, notamment la construction dans les jours qui viennent d'un grand stade à Kananga qui portera le nom de Ndaye Moulamba, et aussi l'accompagnement des jubilés d'or qu'on doit organiser pour notre doyen international Mwamba Kabwe, l'arbitre international Mwamba Kabwe. Et si en ce qui concerne la nouvelle discipline sportive qui doit être qui doit connaître les jours, qui connaît déjà les jours en RDC, son excellence a accepté vraiment l'accompagnement de cette nouvelle discipline. Et le directeur de cabinet adjoint sera chargé d'être à côté de notre frère qui pilote cette discipline. Voilà pourquoi nous avons été très pratiques et nous avons dit l'essentiel. Et nous avons béni aussi le ministère par notre présence. Et nous souhaitons encore bonne chance à son excellence, monsieur le ministre des Sports, parce que ça nous permettra réellement d'avoir un œil regardant sur ce qui se passe ici au niveau du ministère. Comme d'habitude, réaction positive, ils ne pouvaient que faire ça. Si nous sommes déplacés nous-mêmes en tant que sénateurs, si représentants de cet espace, nous n'avons parlé que de bonnes choses. Et dans les jours qui viennent, nous allons garder un contact régulier avec son excellence, monsieur le ministre, pour la réalisation de tous ces projets et surtout notamment la construction de ces grands stades dans l'espace du Grand Kassai, particulièrement à Kananga, à l'honneur de Ndaye Moulamba, le recordman africain.